Salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Romain France. Alors aujourd'hui, un petit tuto sur le jeu Paladin sur PlayStation 4, quelques petites nouveautés qui sont apparues suivant la mise à jour. Alors tout d'abord, pour le champion Rikus, on peut voir qu'il a carrément changé de skin, c'est pas du tout le même. On peut voir aussi que ils ont ajouté Geno, ça c'est pas mal, c'est le personnage avec qui vous pouvez élever les joueurs. Ensuite, on peut voir aussi que ils ont modifié un peu tout le menu. Voilà, les couleurs, les graphismes, tout ça. Ensuite, pour ceux qui ont la chance d'avoir 12 joueurs au niveau 15, donc c'est très simple, vous allez dans jouer. Ensuite, vous faites carré. Et là, vous pouvez voir les récompenses qui sont acquises pour bien sûr jouer en mode compétition. Donc, on peut voir que le skin de Transformator, il est disponible. Ensuite, on peut voir aussi l'apparence du skin de Transformator. Ensuite, on peut voir aussi un titre aguerri, un coffre de skin champion et un coffre d'armes par défaut, le normal. Donc ensuite, on peut voir aussi que chaque niveau comporte un niveau de difficulté. Donc si vous faites 100 points, vous êtes au bronze, plus 100 points encore en argent, puis en or, puis en platine, puis en diamant, en maître et en grand maître. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce mode de jeu, ce qui est pas mal aussi, c'est que maintenant vous pouvez jouer avec des joueurs en mode platine. C'est-à-dire si par exemple vous êtes bronze, argent, or, vous pouvez jouer avec un diamant, maître ou grand maître. Alors qu'avant, c'était pas du tout possible. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt les amis. Allez, peace!